dans ce monde. Maintenant, on va voir les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc, je m'en rapproche. Soit j'ai une fonction, sa représentation graphique delta. Donc, il y a la fonction delta. Après, par exemple, tu as dit, je peux avoir le graphe delta passe par le bon mot. Alors, automatiquement, j'ai une fonction linéaire. Et au déjà, un niveau de delta, alors comme il a la représentation graphique de delta, j'ai la fonction g, automatiquement, j'ai x est une fonction affine, est une fonction linéaire. Linéaire, et maintenant, tu sais, c'est ax. Un niveau de déjà, un niveau de la remarque, j'ai fait le premier fois ça. Monsieur, f est une fonction affine, appelé l'expression de la fonction affine égale à 4x plus 9. Donc très bien. Première question, tu trouves très facile, très simple. Calculer l'image de 1. Calculer l'image de 1 ou bien f de 1. Tu vois, on a fx égale. Notre expression vient 4x plus 9. Elle a des applications uniques. Donc, f de 1 égale. Donc, je connais x. Je te brise f de 1. Fille même, j'ai x en rendant 4 fois 1 plus 9. J'obtiens 4 fois 1, c'est 4 plus 9. Finalement, ou bien alors, f de 1 égale 9 plus 4, c'est 13. C'est bon? Pour calculer f de moins 3, je applique de même façon, f de moins 3 égale 4 fois. Tu connais un x. Donc un x, ça veut dire toujours moins 3. Alors 4 fois moins 3 plus 9. J'obtiens 4 fois moins 3. Alors deux nombres de différencier, plus ou moins 4 fois 3, c'est 12. Plus 9. Alors, f de moins 3 égale moins 3. Alors, donc j'avais fait une première question. Alors, f de 1 égale 13 et f de moins 3 égale moins 3. Maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, calculer l'antécédent. L'antécédent, ou x, calculer l'antécédent x qui a pour image 5. C'est une expression séparée. F, dh, la règle est là, 5. Cette expression. Calculer l'antécédent x de 7 par la fonction f. Et bien f de quoi? D'accord, on va aller chercher le nombre arbitraire de l'ordre de la fonction f et j'obtiens 7. C'est bon? C'est le nombre. Je n'en prends. Donc, c'est le nombre de l'ordre. Alors, pour déterminer l'antécédent x, et bien, qui j'ai fait, finalement, je calcule l'antécédent qui a pour l'image. 7 ou la première image, 6 ou la première image, 9 par la fonction f, c'est pas bien. Et il y a qui tient pas f de x égale l'image. Je l'ai l'image d'un aimé égale 5. Ça fait que je vais calculer l'antécédent x qui a pour image 7 de la fonction par la fonction f, ou bien calculer l'antécédent de 5 par la fonction, dit fx égale l'image. Les tiens, c'est bon. Alors, f de x, je l'ai dit, alors on va voir f de x, bien dit, il y a 4x plus 9, on dit f de x, c'est chacun 7, égale à 7. On dit, et j'ai l'équation de première degré, après le verre de x, chacun 7, et j'ai calculé que c'est mon âme, bien dit, j'ai la valeur de x. Donc, 4x égale 5
plus 9, je l'ai dit, moins 9. Donc, banque 4x égale 5 moins 9. Alors, on a deux nombres que différencier. Je conserve aussi deux nombres de plus grands et je soustrais. Il y a des cas qui passent. Le cuir, on se fait faire une responsable. Mais il y a. Alors, je tiens 4x. Maintenant, la relation entre 4x, c'est la multiplication. Et la multiplication devient divisible. Moins 4 sur 4. Égal moins 1. Alors, l'un des fonctions qu'on déverrait, c'est moins 1. Pour vérifier, je vais trouver là. C'est quoi le nombre des radicales de la fonction f de x? Et je obtiens 7. Donc, chaque terminé, il y a moins 1. Alors, je vérifie la radicale de l'application. Alors, on va le coller de chez son. Alors, f de moins 1 égale 4 fois x moins 1 plus 9 égale 4 fois moins 1, c'est moins 4 plus 9. Alors moins 4 plus 9, automatiquement c'est 5. Alors le nombre des valeurs qu'on a dit moins 5, on voit moins 1, donc chez les deux donc le chien est exact, on va dire la note complète de réacteur chez les chiens. Alors je passe aux troisième question. Alors, la troisième question, déterminer l'expression de g de x en fonction de x. Donc, multiplier g de x en fonction de x. On a g de x qui est une fonction linéaire. Alors, g de x égale à x. À g de x en fonction de x. C'est très simple. Donc, il y a un dp. Quel boulot en fonction de. Alors, on a un dp égale à n fois g. Donc, p en fonction de g. Ou bien, là, attention, oui. R fois I, je vous donne U en fonction de U. Donc, très simple, comme on a des questions, quand on a des questions, en fonction de X. Donc, il y a bien, c'est bien GX égale A fois X, et je dois déterminer le coefficient de la fonction linéaire. C'est bon. Le coefficient de la fonction linéaire, on a marché un point. On le fait pas avec une représentation graphique. Mais là, c'est que je mets le point. Alors là, je vais voir l'axe des abscisses. Je vais voir l'axe des ordonnées. Donc, la fonction f de x, ou bien gx, pardon, gx, sa représentation graphique est voie d'air. Donc, maintenant, je vais voir le point, l'équivalent de delta. Alors, delta passe par le point, par exemple, sur le point A. Je n'ai pas x axis bien, axis et 2, et l'ordonnée c'est moins 1. Autre, mais même grand groupe, mais c'est par exemple A2 moins 1, et je n'ai pas dit x, ou je n'ai pas dit y. Par exemple, je n'ai pas dit x, ou je n'ai pas dit y, via l'image. Je n'ai pas dit l'image, mais via gx. C'est bon, bien, après le lien, bien, soit tu as dit x, y, ou bien tu as dit x. G, bien X. Donc, elle dit qu'il y a 9, elle dit qu'il y a. Donc, là, on a une application linéaire. Alors, G est une fonction linéaire, c'est-à-dire quand G de X égale à X, pour déterminer le coefficient, la formule de coefficient G de X sur X. Alors, c'est quoi G de X? C'est G de X. Il y a moins 1. Alors, moins 1 divisé par X finalement sur 2. Alors, je vais avoir A, il y a. Moins 1 sur 2, donc g de x égale. Quelle est la coefficient de la fonction? Il y a A, il y a moins 1 sur 2 x. Et il y a l'expression de la fonction linéaire. Donc là, il y a pas la représentation graphique, c'est très simple. Donc il y a x, il y a 2. Au cas où il y a l'image, il y a g, il y a x. J'ai x qui est moins 1, x, il y a 2. Et là, la femme, elle dit que la femme, tu vois, elle est là, elle est f de 2 égale à moins 1. Ah, soit, ou le chat, on a une graphe, on a un graphe, on a un graphe, donc elle a dit que la femme,
gx. Et là, il va avoir j égale 2, pas par moins 0. Tu as j égale x. Moins 1 sur 2x. Alors, on dit on s'en va à la fin. On calcule l'image de 2. Alors, j de juge, j de 2 égale moins 1 sur 2 fois fois 2. Alors, j'ai simplifié 2 à 2 à l'IA. H à moins 1, il y a y. Et avant de poser la question 4. Donc la dernière question, déterminer les coordonnées du H, le point de rencontre ou bien le point d'intersection. Il y a donc un chalap, il y a le mot sacré de Pama, le mot sacré de la forme, le mot sacré de l'autre. D'ailleurs, on va dire que le mot algébrique, il y a graphiquement, il y a un graphiquement, il y a un graphiquement, il y a un. Maintenant, je dois déterminer les coordonnées de H. Le point de rencontre ou bien le point d'intersection des représentations graphiques des deux fonctions f et g. Donc si je vois la question, le point de rencontre ou bien le point d'intersection, il faut résoudre l'équation. Ou bien le système, l'équation f de x égale g de x. Dis-moi, f de x égale à g de x, ou bien g de x égale f de x. Ok? Donc, monsieur, alors g de x, l'expression de la fonction g de x, on a déjà trouvé g de x égale à moins 1 sur 2x. Égale f de x égale 4x plus 9. Ouais. Bon, la vie est bon, les membres, les enfants, les postes, donc on dit moins 1 sur 2x plus 4. Si j'ai trouvé moins 4x égale à 9. C'est bon, bien. Allez, on va pas, ou bien on va trouver le chiffre. On va moins 0. Bon, j'ai l'air de dire moins 8, donc je prends du moins 9, moins 9 sur 2x, maintenant je prends du 2 fois 4, c'est moins 8, moins 8, moins 0, et moins 9, égale à 9. Alors, je dis comme le nom, x égale 2 fois 9, divisé par moins 9. Oui, tu lis 9, mais 9, j'obtiens x égale moins 2. C'est bon? Alors, pour déterminer y, donc pour déterminer y, je remplace x égale à moins 2 dans la fonction soit f soit g. Par exemple, du coup, je regarde dans la fonction f, f de x. Oui, tu m'as dit f de x hier. Donc, on a f de x. Alors, que même, on a déjà trouvé g de x égale à f de x, on a déjà trouvé x égale à moins 2. Là, j'ai écrit le point d'intersection sur le point h. Yeah. L'abscisse est x et l'ordonnée y. Donc c'est normal. Alors x égale à moins 2. Pour déterminer y, je remplace x égale à moins 2 dans l'équation f ou bien g. Donc ça va être égal. Donc on a gx égale 4 ou bien fx égale à 4x plus 9. Donc, f de moins 2 égale à 4 fois moins 2 plus 9 égale à moins 8 plus 9. Alors, f de moins 2 égale moins 8 plus 9, c'est 9. C'est bon? Et f égale y par rapport. Ou bien finalement, alors, le point, ou bien les coordonnées
les coordonnées du point H DIA, l'abscisse c'est moins 2 et l'ordonnée Y c'est 1, c'est-à-dire le point d'intersection. Alors vous y avez un chacun H, l'intersection ou bien le point de rencontre des deux représentations graphiques des deux fonctions F et G, moins 2, moins 2. Alors que le H, le point de rencontre, il n'y a pas de déjà là pour dire juste un élève. Donc, quand tu es soit algébrique ou bien graphiquement. Le problème, c'est que tu vois graphiquement. Alors, graphiquement, c'est le point d'intersection qui est à la droite D. Il n'y a pas à la droite D. Donc, il y a déjà là pour dire H. Alors, c'est là algébrique. Déjà, on a trouvé le point d'intersection, c'est moins 2. Hein? La même chose que je fais, il y a algébrique graphiquement. Il y a bien. Je proche à la droite moins 2. Alors déjà, la fonction gx, la représentation graphique de A, déjà la forme, il est maintenant chassé à ça. F, non, mais son H. Donc on a déjà calculé F de moins 3. On a trouvé moins 3. Alors le point A par exemple A, il y a moins 3, 3, et le point A, à l'ensemble de A, moins 3, 3. Alors moins 3, 3, les abscisses et les x. Il y a dit, bah, moins 3. Moins 3 fait ça. Moins 3, moins 3. Donc, j'ai dit, c'est bon, elle est le point A. Fait, par exemple, le point B. Le point B, déjà, il s'est fait là. On a déjà calculé F de moins 1 égale à 5. Elle est bien antécédent. Calculer l'antécédent X par la fonction qui est pour l'image 5. Donc, elle dit, c'est F de moins 1 égale à 5. Ou bien déjà c'est f de moins 1, f de 1 par exemple, f de 1, elle a 13 ou bien h, elle a un h. C'est bon, elle a un h. C'est bon, elle a un h. Elle a un h. Elle a un h. Elle a un h. Faut que je trouve y. Donc je trouve bien un h. Alors f de moins 1 égale à 7. Il y a le point moins 1. Moins 1, c'est. Vous y êtes. Il y a moins 1, les abscisses. Maintenant, on va dire les abscisses x. On va donner les ordonnées y. Donc moins 1 plus x. Moins 1, l'infini avec moins 1. Oh, non. Plus y, 5. Finalement, 5, finalement, non. Donc, un niveau de 3, 0, 1, 2, 3, on va à 7. Alors, viens, on dit 9. J'ai déjà. Elle est là. Donc, elle dit le point. Elle dit le point B. Elle est là. 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 Elle est فعلينا الصلاة فحصلنا احتاجي حلاج طب سير سير صف زيت زيت قوة لا طب هذه أدوات أدوات دي فينا نتاسك سوف يتحرر شوف يتحرر فحشو كوانا وكذا رشيان كنفو شوف يتحرر كنفو شوف يتحرر كنفو وكذا رشيان كنفو زيان ريكونا طب اللي فينا يتحرر إكس عندي رب نقطان دي رب نقطان إسقاط لو بخوش يتحرر كنفو سوف أكس بزابسيس Donc, on a dit x, chaque final. Chaque x, moins 2. Après, on dit le. L'espace à l'aide, chaque y, chaque l'aide. 1. Donc, on a dit 1. Donc, la représentation graphique, le point d'intersection, ou bien le point de rencontre, les deux droites, D et D1. On dit la fonction, on dit la fonction F, on dit la fonction G. Ok, là, graphiquement, il y a moins 2 mètres. Et algébrique, fx égale à gx, et tu as bien pris la moins 2. Donc, on a déjà trouvé la même résultat. Et donc, il a dit que tu as fait le compte en train de faire. Donc, il a dit que tu as fait le compte en train de faire. Quand tu dis qu'on a je suis là. Et merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yuwaffiq al-jami'.